place Saint-Pierre, noire de foule, au milieu du déploiement d'un faste royal, le pape Jean XXIII a été conduit du Vatican à la basilique qui, pendant quelques jours, doit abriter son tombeau. Couché sur un lit d'apparat, porté à bras d'homme, vêtu des ornements pontificaux miroitant de pourpre et d'or, le pape défunt, entouré de gardes suisses et de gardes nobles, semblait flotter au-dessus des têtes innombrables de ce peuple qu'il avait tant aimé et qui le lui rendait bien. À l'intérieur de la basilique, la dépouille mortelle de Jean XXIII devait être placée sous le baldaquin de bronze qui abrite l'autel de la confession au-dessus de la tombe de l'apôtre. C'est là que pendant 2 jours et 2 nuits, il recevra l'hommage public du monde chrétien. Pendant ces 48 heures, des milliers et des milliers de fidèles défileront devant le catafalque, après avoir attendu des heures entières le moment de s'agenouiller devant celui qui fut en même temps que l'esprit le plus audacieux, le cœur le plus simple et le plus accessible. Peu d'hommes auront connu un hommage aussi universel. Avec Jean XXIII, un grand pape vient de disparaître. La traversée de l'Atlantique par un hélicoptère solitaire est un exploit qui n'avait jamais été réalisé. Un hélicoptère lourd de l'armée américaine vient de combler cette lacune. 35 heures de vol l'ont conduit par le Canada, le Groenland, l'Islande et l'Écosse jusqu'au Bourget. Là, son périple devait lui valoir d'être remarqué au milieu d'autres hélicoptères aux performances remarquables, comme le Weser Sikorsky, la grue volante de l'Allemagne de l'Ouest qui promène avec la plus parfaite aisance des camions dans le ciel. L'aviation et l'espace tiennent en effet salon au Bourget. Le général de Gaulle a inauguré cette grande manifestation à laquelle participent 17 nations. Pour sa part, la France y a dévoilé son futur satellite où voguera le successeur du rat Hector. Le chef de l'État a pu admirer la maquette de l'avion supersonique franco-anglais Concorde, dont les États-Unis ont commandé sur plan 6 exemplaires. Il a pu également assister aux évolutions du Balzac. Cet appareil français décolle et atterrit dans un mouchoir de poche. Il peut rester immobile ou reculer en plein ciel, ce qui ne l'empêche pas de voler à 2 fois la vitesse du son. Le 25e salon de l'aéronautique est ouvert. Dans ce supermarché de l'aviation, la France tient une des premières places. Au camp de Mailly, la vedette a été tenue par l'AMX-30, version française du char européen de 30 tonnes. Armé d'un canon de 105 tirant avec une très grande précision un obus à charge creuse, capable de percer tous les blindages, l'AMX-30, d'une très grande mobilité, franchit avec aisance un obstacle vertical de 90 cm. Un fossé à bord franc large de 3 mètres le laisse indifférent. Ajoutons que sa parfaite étanchéité lui permet de traverser les rivières par 2 mètres de fond, voire 4 mètres avec un équipement spécial, comme aussi de continuer de manœuvrer en zone contaminée en cas de conflit atomique. À l'heure des fusées opérationnelles à tête nucléaire, l'AMX-30 permet aux chars blindés de demeurer une arme de combat fondamentale. Île flottante, bouée laboratoire, on ne sait trop comment nommer cet étrange champignon fiché dans la mer en rade de Villefranche et sur lequel un hélicoptère a récemment amené un ministre. Cette construction, dont le commandant Cousteau est le promoteur et qu'a inauguré M. Gaston Palevski, ministre délégué à la recherche scientifique, est actuellement unique au monde. Elle est composée d'un long tube vertical contenant 4 étages de laboratoire et s'enfonçant jusqu'à 52 mètres de profondeur, ce qui rend insensible aux plus fortes houles de la Méditerranée sa partie supérieure qui domine la mer de 10 mètres et qui renferme le laboratoire des enregistrements.
un ascenseur descendant jusqu'à quelques 25 mètres au-dessous du niveau de la mer conduit aux quatre laboratoires où seront étudiées la biologie sous-marine, la température et la constance des courants et, ce qui était jusque-là impossible avec un navire océanographique, observer tous les phénomènes de l'océan d'une manière continue et à un point donné. En effet, cette bouée permet des prélèvements continuels d'échantillons d'eau à tous les niveaux et l'observation directe de la vie de la mer par les 20 hublots répartis sur sa surface immergée. L'équivalent, si l'on veut, d'une station météorologique, mais au cœur de l'océan. Envahie par le torrent formé par des pluies incessantes, la grotte de Fusubi laisserait-elle ressortir les 5 spéléologues qui s'étaient aventurés sous ses voûtes? Malgré les pompes, malgré les travaux entrepris pour détourner le torrent, restait-il après 5 jours d'absence une possibilité de sauver les captifs de la grotte ardéchoise? Le torrent étant enfin détourné, les sauveteurs purent s'enfoncer dans la montagne avec leurs scaphandres et leurs canots pneumatiques. C'était la fin de l'épreuve. Triste fin d'ailleurs. Car si derrière Émile Cheyetz, le premier des rescapés, remontaient 2 de ses compagnons, 2 autres ne reverraient plus le soleil. De l'un de ceux-là, on ne remonterait qu'un cadavre. De l'autre, on ne retrouverait aucune trace. Rien ne semble désormais impossible à l'athlète français Michel Jazy qui bat les records du monde sur commande. Et le miracle dans tout cela, c'est que Jazy n'a rien d'un Superman. Jazy, c'est monsieur tout le monde avec un petit quelque chose en plus, c'est-à-dire le cran et le désir de vaincre, le tout saupoudré d'un grand amour pour l'athlétisme. Cela suffit parfois pour devenir un très grand champion. C'est presque la fin de sa tentative contre le record du monde du 2 miles au stade Charletti. Il passe irrésistiblement son partenaire Robert Boget. Ce finish, c'est désormais l'une des qualités essentielles de Michel Jazy. Qui pourrait croire en le voyant sprinter qu'il est en train de battre le record du monde des 2000? Il a l'allure d'un spécialiste du 400 mètres. On ne sait pas jusqu'où ira Michel Jazy, sûrement vers un titre olympique l'année prochaine. Le deuxième salon international de la chasse photographique qui s'est ouvert à Paris révèle un aspect nouveau de la chasse. Chasseurs, il ne s'agit plus de tuer les bêtes, mais de les surprendre et de les restituer vivantes sur une photo ou sur un écran. Mais remplacé par l'objectif d'une caméra, la carabine de précision ne fait pas de cette chasse nouvelle un sport mineur. Il y faut, comme à l'autre, de la patience, de l'habileté, du courage et du sang-froid. Mais quelle joie aussi de rapporter des tableaux de chasse vertigineux comme l'ont fait Jacqueline et François Sommer, deux promoteurs de ce nouveau sport. Un jour, en même temps que les girafes, vous pouvez découvrir les rites secrets de la vie des autruches. Un autre jour, vous découvrez, à bout portant pour ainsi dire, le plus extraordinaire tableau vivant de la vie de famille des éléphants. Chasseurs, changez donc votre fusil d'épaule. Il ne s'agit plus de tuer de pauvres bêtes, mais de les ramener vivantes.